Amen. Nous allons applaudir pendant que le serviteur va venir pour prêcher. Acclamons. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Non, acclamer pour la gloire de Dieu. Je parle pour la gloire de Dieu. Je t'y acclame pour la gloire de Dieu. Tu pousses des cris de joie pour la gloire de Dieu. Nous poussons des cris de joie pour la gloire de l'Éternel. Nous poussons des cris de joie pour celui qui nous a donné la paix. Nous poussons des cris de joie pour celui qui nous a donné la paix, la tranquillité. Alléluia. Je te loue, je te bénis, toi qui es notre Dieu. Je te loue, je te bénis, toi qui es le prince de paix. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te disons merci, Éternel. Merci. Fais-nous du bien. Assiste-nous. Seigneur Jésus, sans toi, nous ne sommes rien. Amen. Si nous sommes ici, c'est pour toi, pour t'adorer. Pour te célébrer tes rangs de gloire. Emmanuel, règne parmi nous. Sois notre Dieu du début jusqu'à la fin. À ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer et reprendre nos places? Alléluia, 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 alléluia. Kurisama. Tu veux jouer? Si tu veux jouer, je veux. Si tu veux. Alléluia. Nous avons, durant trois dimanches, Dieu nous a fait grâce de parler de sur un thème, l'espérance à l'Éternel. Dieu nous a fait grâce. Et pendant tout ce temps, on a parlé tellement de choses qui peuvent nous aider à espérer. Parce que nous avons vu dans Hébreux chapitre 11, la Bible nous apprend, c'est une ferme assurance, démonstration des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Donc l'espérance fait partie, celui qui a la foi doit espérer. Il y a des choses qu'on n'a pas encore touchées, ni vie. Mais lorsque nous espérons, nous comptons, nous savons que Dieu va accomplir cela. Par définition, comment dirais-je, de Larousse, il dit l'attente. Donc l'espérance, c'est une attente de quelque chose de bien qui va se produire. Ou l'attente, c'est l'attente, c'est avoir confiance à l'avenir. Ça, c'est Larousse. Mais sur le plan spirituel, on a défini l'espérance, une attente de quelque chose de positif ou de bien qui va arriver. Qui va arriver quel que soit le moment de ta vie. Et vous savez, il y a des fois, quand on prie, il y a des gens qui ont commencé à prier, mais ils n'ont pas encore palpé l'attente de quelque chose qu'ils attendent. Je prie, Dieu m'a parlé, j'excès. Que Dieu agira, mais je n'ai pas encore palpé, je n'ai pas encore touché ce que Dieu m'a promis. Et la Bible m'apprend que celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Si Dieu t'a fait la promesse, il y a des fois, j'ai dit à ceux qui étaient là la fois dernière, je ne te regarde pas à la manière des hommes. À la manière des hommes, si tu es pauvre aujourd'hui, je te regarde tant qu'un pauvre. Mais je te regarde avec les yeux de la foi. Les yeux de la foi, c'est-à-dire quand je regarde frère Christian, le Christian que je vois, ce n'est pas ce que vous voyez. Je vois un homme différent. Il arrive pour des hommes de Dieu. Il peut identifier même un chef de l'État au moment où il est un enfant. Espérer veut dire avoir une autre dimension de vision que les hommes. Lorsque nous parlons de l'espérance, cela veut dire quoi? Tout simplement, c'est juste pour que vous soyez, pour que nous soyons errés en Christ. Alléluia. Peu importe ce que nous pouvons traverser, que tu sois erré en Christ. Espérer veut dire, la Bible nous dit, lorsque Jésus était né, le jour de sa naissance, c'était la nuit et il y avait des signes, des prophéties qui ont été déclarées avant sa naissance. Des gens qui maîtrisaient l'écriture, les gens qui maîtrisaient la parole, ils espéraient que des signes annoncés, les jours de sa naissance, ça sera aussi réel. Effectivement, le jour de la naissance de Jésus, il y avait l'étoile qui brillait.
des gens étaient sur la terre, des savants étaient sur la terre, mais tout le monde ne pensait pas à ces signes-là. Des gens qui étaient attentifs en espérant que cela va arriver quelques jours, quelques et un moment, ils n'étaient pas avertis par un ange, mais les signes de l'étoile les a révélés que l'attente positive que vous avez vient de s'accomplir. Alléluia. L'attente positive que vous avez durant des années vient de se réaliser. La Bible nous apprend. Ils ont osé se déplacer. Montez un peu, mon frère. Ils ont osé se déplacer en suivant l'étoile. L'étoile qui les a menés là où la promesse était accomplie. Ils espéraient. Et lorsqu'ils suivaient l'étoile, ils savaient, lorsqu'ils seront là, l'endroit que cette étoile sera fixée, ça sera l'accomplissement. Ils verront le Messie. Ah, ils verront le Messie. Donc, ça dit, celui qui a l'attente positive, quand il suit l'étoile du berger, quand il attend le jour de l'apparition de l'étoile du berger, restez positif, même si l'étoile n'est pas encore apparue. Cela ne veut pas dire que cela n'apparaîtra pas. Même si tu n'as pas encore observé l'étoile, si tu as revenu dans les Écritures, tu as vu l'Évangile, tu as accepté la parole de Dieu, restez accroché et gardez le pensée positif en toi. Qu'un jour, et la Bible dit, ce jour-là, lorsque l'étoile est apparue, ils ont arrivé à un certain endroit, ils ne voyaient plus l'étoile. Alléluia. Ils ne voyaient plus l'étoile. Ils ont parti poser des questions. Nous, nous sommes des étrangers, mais nous suivons une étoile. Nous suivons l'étoile qui nous amène quelque part. Et lorsqu'ils avançaient, ils évoluaient. Et le Messie qui a entendu cela, il a dit, oh, il a créé un mauvais projet. Un roi a été hanté de naître. Donc c'est-à-dire, dans des jours à venir, je ne serai plus roi. C'est pour cela que je viens de te dire tout simplement, celui qui voit les choses selon la pensée de Dieu et selon la révélation de Dieu peut voir un roi à la place d'un bébé. Peut voir un riche à la place d'un pauvre. Peut voir un millionnaire à la place de quelqu'un qui n'a rien. Parce que tout simplement, il ne voit pas à la manière de ce monde, mais il voit à la manière de Dieu. Et le Messie les a dit, écoutez, partez là-bas lorsque vous voyez le roi, revenez ici, revenez ici. Parce que moi aussi, je vais l'adorer. Alléluia. Ce projet était pour détruire Jésus. Et lorsque ton espérance est là, lorsque tu t'accroches à la parole de Dieu, Dieu te montrera le jour de l'apparition de ton étoile. Et tous les jours, ces jours-là, ton attente positive va se réaliser. Ce que tu attends durant des années, tu sauras le palper, le toucher. Ils ont vu le Messie. Oh, l'enfant qui était né au milieu des brebis. Oh, l'enfant qui était né là où il y avait des bergers. Cela ne démontrait pas que cet enfant était un roi. Cela ne témoignait pas que cet enfant était grand. Cela ne témoignait pas que cet enfant offrira de grandes choses à lui. Mais un homme averti par la parole de Dieu, oh, il a toujours des pensées positives dans sa vie. Il est en attente de choses positives. Laisse-moi te dire, si tu t'accroches à Dieu, oh, si tu t'accroches à la parole de Dieu, oh, tu verras. J'aimerais te juste poser une question. Lorsque tu viens dans cet endroit, est-ce que crois-tu à sa parole? Tu crois à la parole de Dieu? Oh non, ton amen ne me convainc pas. Est-ce que tu crois à la parole de l'Éternel? Oh, si tu crois à la parole de l'Éternel, laisse-moi te dire une chose. La parole de l'Éternel, c'est une puissance. Cela veut dire, lorsque des choses à venir est annoncées, et comptez, espérez, et la foi, parce que l'accomplissement viendra. Peu importe les années, les réalités, les circonstances, des vents ou des tempêtes, mais la parole s'accomplit toujours. Les promesses de Dieu arrivent toujours à terme.
Cela ne compte pas le nombre d'années que tu as patienté, attente des choses positives. Peut-être tu n'as pas encore vu, peut-être tu n'as pas encore touché, peut-être tu n'as pas encore palpé. Si nous regardons des choses à la manière de ce monde, personne ne peut voir cette église comme une grande église. Ah non. Non. Si nous regardons des choses à la manière de ce monde, personne ne peut voir. Si tu regardes cette église à la manière humaine, nous serons petits. Nous n'avons rien. Mais ton lendemain ne sera pas comme ça. Ton avenir ne sera pas ainsi. Parce que Dieu a conçu un projet de paix, de bonheur, non de malheur. Donc le temps que tu es en train de vivre, ce n'est qu'un passage qui t'amène vers l'accomplissement de grandes choses. Oh, les circonstances qu'on est en train de traverser, ce n'est que des vents ou des tempêtes qui doivent souffler normalement. Parce qu'un jour nous atteindrons notre but. Oh, parce que notre espérance n'est pas connectée de ce monde. Parce que notre espérance est connectée à la parole de Dieu. Et la Bible dit, ces gens-là étaient des scientifiques. C'était des gens qui croyaient à la science, qui croyaient que ce que l'Éternel a déclaré, cela arrive. Et beaucoup de gens à ce moment-là étaient à Jérusalem, même à Bethléem, ne voyaient pas l'étoile. L'attente positive dépend de ta connaissance et de ta façon d'aimer Dieu. L'attente positive dépend de tes convictions à la manière dont tu crois à la parole de Dieu. La plante positive dépend à l'attitude de cette église, dans la manière que nous savons, même si nous ne voyons rien, même si rien ne bouge, même s'il n'y a rien, même s'il n'y a pas de solution, nous savons que Dieu agira. Alléluia. Laisse-moi te dire, nous allons revenir dans la parole de Dieu. Nous allons lire deux lectures. Le premier dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1 et le verset 16. Et le deuxième dans Marc chapitre 8 verset 39. Je lis la parole. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Alléluia. Je lis la parole. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Ah, tes acclamations ne me conviennent pas. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu as la joie d'acclamer Dieu? Est-ce que tu as la joie d'acclamer le Père céleste? Est-ce que tu as la joie d'acclamer la parole de l'Éternel? Alléluia. Je n'aurai pas honte de l'Évangile. Car moi, nous l'Église de Dieu, je n'ai pas honte de l'Évangile. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance à quiconque, pour quiconque croit. D'abord pour les Juifs, ensuite pour les Grecs, et après pour Égypte. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une puissance pour quiconque croit. Mais si tu ne crois pas à la parole, ne venez pas à l'église. Et si tu n'acceptes pas la parole, ne fais pas semblant de dire Amen. Parce que je n'aurai pas honte de l'évangile. Il y a des gens que la parole dérange. Lorsque la parole est enseignée, même quand nous sortons ici, quand on te demande si tu es un enfant de Dieu, tu refuses. C'est pour cela que je t'ai posé la question, croit-il à cet évangile? Et Jésus précise dans Marc chapitre 8, verset 38, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui le jour de ma gloire. Oh non, 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 j'aurai pas honte de l'évangile. Car je sais que la parole, c'est une puissance pour quiconque croit. Si tu crois ce soir, tu verras la puissance de la parole de Dieu. Si tu crois ce soir, tu vas encore espérer. Parce que tant que tu n'as pas vu, ma Bible me dit, la parole de Dieu ne retourne jamais sans pour autant produire des effets.
Oh, dans ta vie, la parole ne retournera pas sans pour autant produire des effets. Oh, continue à espérer tant que tu n'as pas vu, parce que tu es connecté à Dieu. Tu attends des effets venant du ciel. Lorsque tu n'as pas vu, soyez comme des marges qui ont lu la parole, qui ont lu des lectures, des prophéties des prophètes. Ils savaient que ces jours-là arriveront. Ces jours-là vont arriver. Je continue à espérer. Alléluia. Et si nous allons espérer, et si nous savons que la parole de Dieu c'est une puissance, j'aurai pas honte de l'évangile. Oh, j'aurai pas honte de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu me sauve. La parole de Dieu me donne la vie. La parole de Dieu m'aide à avancer. La parole de Dieu nous aide à progresser. Oh, que la parole soit une puissance dans ta vie. Que la parole soit la clé du succès dans tes problèmes. Alléluia. Es-tu prêt? Demande à celui qui est à côté de toi, êtes-vous prêt? Alléluia. Parce que la parole est destinée aux hommes et des femmes de foi. Êtes-vous prêt? Ah, lui demande, es-tu prêt? Lui demande, il ne comprend pas. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance. Mais lorsque nous espérons, nous devons d'abord faire confiance à la parole de l'Éternel. Alléluia. N'écoutez pas la parole de Dieu comme un bon message ou une bonne expression de langage. La parole de Dieu, ça donne le salut pour quiconque croit. Et la parole, c'est une puissance. Parce que la parole appelle en existence ce qui n'existait pas. Lorsque nous parlons de l'expérience, c'est pour cela que j'ai dit que ton attitude peut t'aider à recevoir les oracles de l'Éternel. Pourquoi j'ai dit ça? Je t'amène à Sarepta. Tu es toujours prêt à aller à Sarepta? Alléluia. Dieu, c'était au moment de famine. Élie avait déclaré la sécheresse. Mais Dieu a envoyé Élie chez un veuve. Alléluia. Et la femme était là. Avec son enfant, veuve, réfléchissant, elle est en train de réfléchir le peu de farine qui restait avec l'huile. Après viendra la faim. Alléluia. Dieu a envoyé Élie auprès de cette femme, disant, va chez cette femme-là. Lorsque la parole vient chez toi, c'est tes convictions qui fera en sorte que des mirages viennent après. Ce n'est pas tes craintes d'avant qui fera en sorte qui va déterminer ta vie. Mais ce sont tes convictions. Et écoutez, lorsqu'Élie était venue, la femme avec, je pense qu'elle était triste. Pour tous parents, elle était triste. Je vais faire cette farine. Après, nous avons mangé, on va mourir. Alléluia. Après avoir mangé, c'est la mort. Mais par contre, lorsqu'Élie était venu, Élie n'a pas dit à la femme, écoutez, Dieu m'a envoyé chez toi. Mais Élie a dit à cette femme-là, j'ai faim et je veux quelque chose à manger. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire une chose. Mais si tu espères à Dieu, si tu comptes sur Dieu, même si Dieu te demande quelque chose, même si Dieu te le dit, donne-moi quelque chose, n'ayez pas peur. Fais confiance à Dieu. Ayez toujours l'attente positive que quelque chose de positif doit arriver. La femme a commencé à préparer pour Élie. Élie avait aussi faim. Élie a commencé à manger sans pour autant regarder même cet enfant-là. Ni même lui donner un petit morceau de beignet. Il a mangé jusqu'à la fin. Il y était rassasié. L'enfant de cette veuve-là était enfin. Je me pose une question, je réfléchissais, j'aime bien réfléchir. Je parlais d'un millionnaire, pour des gens qui étaient auprès au début de ce message. Et le millionnaire a réussi son défi de revenir, de gagner encore des millions. Lorsque tout le monde aussi que c'est un millionnaire, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu avec des gardes-corps. Il ne pouvait plus dormir n'importe où. Il était protégé parce qu'il a peur qu'il puisse mourir. Alléluia. Quand je te dis la parole, c'est une puissance pour quiconque croit.
notre Seigneur a laissé sa richesse. Il a laissé la gloire pour te ramener la parole. Malgré t'avoir ramené la parole, il te demande encore, fais mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Oh, c'est le plus pressé que tu as. Parce que si tu donnes ton cœur à Jésus, si tu espères plus, tu diras que ma vie est foutue. J'aimerais te dire, ta vie ne sera pas foutue. Même si lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu ne vas pas échouer. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, la même manière que la veuve de Sarepta a pu offrir le meilleur qu'il avait dans sa maison. Oh, sans pour autant poser des questions, à pied vendant la mort, toi aussi tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Oh, comme je donne, comment je vais finir. À l'heure actuelle, des gens sont dans des boîtes qui fêtent. Moi, qu'est-ce que je dois faire? La veuve n'a pas hésité à donner. Et nous avons appris aussi à ce qui concerne Abraham. Abraham a eu la parole venant de Dieu. Et il avait l'attente positive. Église de Dieu, nous devons avoir l'attente positive. Que quelque chose de bien doit se produire. Oh, ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu seras. Non, tes pleurs vont être essuyées. Oh, ce que tu penses qui va t'arriver, non. Je te dis, si tu crois à la parole, Dieu fera de nouvelles choses. Si tu comptes sur Dieu, Dieu va ouvrir une nouvelle porte. La femme disait, je vais manger. Oh, après avoir mangé, mais elle n'a pas hésité à donner à ses prophètes. Mais si je t'apporte la parole de Dieu, vous savez, aujourd'hui, la prospérité dérange. Alléluia. Ça dérange l'église. À un moment donné, on nous prêchait la prospérité, on donnait aussi. Maintenant, si tu prêches ça, des gens sont dérangés. On nous a prêché ici la loi de la semence et de la moisson. La Bible dit, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes la prière, tu vas récolter la prière. La veuve de Sarepta, lorsqu'il a donné à Élie, elle n'a pas eu le contraire de ce qu'il avait semé. La Bible dit, dans sa maison, depuis ce jour-là, l'huile ne manquait plus dans sa maison. La farine non plus ne manquait dans sa maison. Ce qu'elle a semé, la multitude commence par rapport à ce que tu donnes. Amen. Oh non, tu n'es pas avec moi. Amen. La multitude commence par rapport à ce que tu donnes. Et si je donne ce que je sème la prière, je vais récolter des miracles. Je sème l'argent, je vais récolter l'argent. Ne vous en faites pas, je vais récolter l'argent. C'est pour cela, dimanche passé, je disais, je suis un homme béni. Ne me regardez pas de cette manière. J'aimerais parler à un homme. Lorsque Joseph recevait ses rêves, bien-aimé, malgré tout ce qu'il traversait, malgré toutes les circonstances qu'il vivait, Joseph savait, tant que des rêves sont là, tant que l'interprétation des rêves sont là, ma vie ne sera pas la même. Oh, la prison peut être une porte d'élévation. Oh, des circonstances difficiles peuvent être une porte d'élévation. J'aime bien l'échec, il y a des fois. Quand on échoue, ça nous aide aussi à bien travailler. Alléluia. C'est l'échec de l'homme au jardin d'Éden qui a fait que Jésus puisse préparer. Dans Genèse, Dieu a promis, Genèse chapitre 3, que sur cette même femme que le péché entrait, cette femme engendra un enfant et cet enfant écrasera la tête de Satan. À cause de l'échec de l'homme, et Jésus est venu. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour que toi aussi tu sois pauvre. C'est vrai ça? Ah si, c'est vrai ça? Il s'est fait pauvre pour que nous aussi nous soyons pauvres. Laisse-moi te dire une chose, j'aimerais te dire que vous êtes un homme béni. Vous êtes une église bénie. Parce que moi, ma Bible me dit, il s'est fait pauvre pour que tu deviennes riche. La richesse, ce n'est pas un péché. L'église, nous devons savoir, si quelqu'un est béni, glorifions l'Éternel. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu pensent que pour être béni, il n'y a que le diable qui bénit. Oh, alléluia. Ma Bible me dit que ton âme, que j'aimerais que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme. Oh, bien-aimé, si Dieu t'élève, tu dois vivre aussi la bénédiction de Dieu. Oh, la bénédiction ne sera pas une maladie dans cette église. La bénédiction sera une porte. Nous aussi, nous allons célébrer Dieu. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Imaginez Yannon le millionnaire. Tata Michel millionnaire. Est-ce qu'on va pleurer dans cette église? Vous comprenez pour ça? Alléluia. La bénédiction peut être une porte qui peut ouvrir beaucoup de choses. Cet homme qui a dit, je suis millionnaire, j'accepte la pauvreté pour démontrer que je peux encore gagner des millions.
Aussi Jésus s'est devenu pauvre pour que vous et moi, nous puissions devenir riches. Autant dans ton espérance, ne lève pas la recherche. C'est pour cela, l'attaque bien. Monte, habille-toi bien. Oh, nous en Afrique, on voyait ça. Ah, j'ai pas de clé là. On voyait ça. Quelqu'un qui n'a pas de clé de voiture, aide-moi avec une clé de voiture là. Aide-moi avec une clé de voiture. Quelqu'un qui n'a pas de voiture, mais lorsqu'il se promet, jette. Donc quelqu'un qui n'a pas de voiture, mais lorsqu'il marche avec une jolie clé de voiture, parce qu'il le sait, avec son Dieu, ce qu'il vit aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il sera. Je dis, Tata Michel, cherchez une jolie clé de voiture, gardez et marchez ça avec fierté. Dis que ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. J'espère que de grandes choses vont arriver. J'espère que de bonnes choses vont arriver. Laisse-moi te dire une chose. Ma Bible me dit, lorsque les marches partaient vers Jésus, ils partaient par les mains vides. Celui qui était né dans une crèche, c'est que les gens voyaient qu'il est né là où il y avait des moutons, et ils voyaient un roi. Il dit, il faut apporter de l'or, il faut apporter des diamants, il faut apporter de grandes choses, parce qu'il n'est pas n'importe qui. Oh, j'aimerais t'affirmer aussi, tu n'es pas n'importe qui. C'est pour cela que je t'ai dit une chose la fois dernière. Ne plaire pas partout. Parce que le jour où ta situation va changer, les gens voient que non, elle ne plairait pas parce qu'elle avait raison. Il ne plairait pas parce qu'il savait qu'il a un Dieu. Il ne plairait pas parce que son Dieu, il est le véritable. Même s'il était en prison, ce n'est que les circonstances de la vie. Même s'il a traversé des moments difficiles, ce n'est que des réalités. Même s'il a dormi au 115, ce n'est que des circonstances. Maintenant, son temps est arrivé. Maintenant, il a une belle voiture. Il a acheté même deux maisons ici à Saint-Brieuc. La bénédiction de Dieu doit se voir lorsque tu espères. Oh, tu dois voir des grandes choses. Bien aimé, ne limitons pas Dieu dans des petites choses. Alléluia. Si nous limitons Dieu, quand on parle de 50 euros, nous tous nous allons trembler ici à l'église. Alléluia. Ne tremble pas. Quand tu roules avec une petite voiture, ça dit ça, c'est. Dis aux gens, ça ce n'est que provisoire. Ah, dis-leur, ça ce n'est que provisoire. Nous sommes de Jésus. Nous sommes de l'église et j'y suis. Chez nous, on achète des caméras 4K. Cette baffe-là a joué le stade de France. Ça joue aussi ici. Pour la gloire de notre Dieu. Oh, je dis la vérité, Papa Michel est là. Papa Michel était parti avec moi. On nous a dit, ça joue la France, ça défense. Moi, j'ai dit à mon cœur, ça dit à Papa Michel, j'ai dit, on va jouer ça pour la gloire de Dieu. Démontrons aux gens que nous sommes dans le véritable. C'est que les gens ne voient pas, toi, tu dois voir ça. Soyez comme des marches qui voient l'étoile qui t'amène quelque part. Sache que la parole de Dieu, c'est une puissance. Mais ce n'est pas une puissance pour tout le monde, pour quiconque croit. C'est pour cela que je t'ai posé la question, croit-il à la parole de Dieu? Parce que si tu ne crois pas, quand on te dira une parole, toi tu vas garder ton farine. Tu dois dire mère. Tu dois garder ton farine. Et la veuve de Sarepta, moi on en a couvert la paix ça. Que mon enfant mère, moi je te donne. Et je vais manger avec mon enfant. Vous allez manger, après tu vas mourir. Mais si tu acceptes la parole de Dieu, même la mort sera loin de toi. Oh, tes enfants ne seront pas touchés. Oh, soyez dans la paix. Même si on dit, il y a 15 000 sorciers ici, je dis, la tienne ne sera pas touchée. Parce que la protection de Dieu sera avec toi. N'aie pas honte de ton Dieu. Dis, si j'ai acheté au nom de Jésus. Alléluia. S'ils ne veulent pas, qu'ils aillent où ils veulent. L'enfer n'est pas encore ouvert. N'aie pas peur, peuple de Dieu. N'aie pas peur. Il y a des petites choses. Faites-les. Pour démontrer au diable que c'est un menteur. Faites-les pour démontrer que tu es un véritable Dieu. Faites-les. Même si les gens, quelqu'un te voit en train de souffrir, dis-leur, soyez calme. Soyez calme. Soyez calme. Ce n'est qu'un épisode que je crois à la parole. C'est pour cela que Job savait. Tu vois quelqu'un qui est en train de perdre ses enfants. Si tu n'espères pas, comment tu peux dire que moi, je sais que mon rédempteur s'élèvera le dernier? Ah, Dieu, toi, tu n'es pas là. J'allais prêcher une autre personne. Mais comment quelqu'un qui vient de perdre son argent, qui vient de perdre ses enfants, qui a perdu sa recherche, mais il dit, oh, je sais que mon rédempteur s'élèvera le dernier. Non, ne plaire pas, Église de Dieu. Oh, ne plaire pas. Si tu as 50 euros, dis 50 euros, c'est rien.
Oh, je te donne ça pour la gloire de Dieu, j'aurai des millions. Amen. Alléluia. Amen. Il est devenu pauvre pour que nous ayons la vie, la richesse. Alléluia. Et Dieu nous promet, l'or et l'argent lui appartiennent. Ah, boutique église à ma pauvre. Alléluia. Arrêtons d'église que nous avons peur des petites choses. La Bible dit que nous devons être fidèles dans des petites choses. Pour que les jours où on va entrer dans des grandes choses, qu'on puisse les faire. Mais si on ne parvient pas à faire des petites choses, comment on peut faire des grandes choses? Je ne sais pas si quelqu'un croit comme moi. Ah, je ne sais pas si quelqu'un croit à la parole comme moi. Des gens peuvent te détourner là quand tu espères, tu suis l'étoile. Des gens peuvent te détourner en te disant tout simplement, je ne pense pas que cette étoile-là doit encore apparaître. Je ne pense plus que ta vie que tu avais avant, tu vas récupérer encore. Dis-moi aussi lorsque l'étoile va apparaître, moi aussi je vais t'accompagner, mais il ne croit pas la parole, il veut te tuer. Je suis un messager pour te dire, si tu crois, tu es en attente de quelque chose de positif qui va se produire, peu importe le moment de ta vie, ne lâche jamais l'espérance. Même si tu cherches l'étoile du berger, tu ne vois pas. Ne va pas main vide devant Dieu en disant que non, ma vie doit changer. Et en plus de ça, ils ont eu un cadeau ce jour-là. Lorsqu'ils ont donné leur offrande, l'ange les a avertis. Ne rentrez plus par là où vous êtes passés. Parce qu'il y a un projet de destruction qui est préparé. Oh, que Dieu puisse t'avertir si tu crois à la parole. Si tu as pris, tu veux prendre une mauvaise décision, une mauvaise direction qui peut détruire ton espérance, que Dieu puisse t'avertir. Alléluia. Écoutez. Les promesses de Dieu vont s'accomplir dans notre vie. Parce que nous espérons et nous comptons sur la grâce de Dieu. Ne prenons pas Dieu dans des petites choses. C'est pour cela que je crois en toi que tu es Dieu, te rendra grand. Ah, laisse-moi, je peux témoigner. J'ai dit à un de mes frères ici, il y a longtemps, je lui ai dit, écoutez, je viendrai manger dans ta maison. Comme Jésus a dit à Zachée, j'ai fait confiance à Dieu que cela doit arriver. Après des années, je suis allé manger aussi chez ce frère-là. Je lui ai rappelé, qu'est-ce que je t'avais dit? Que un jour je viendrai chez toi. Quand je disais je viendrai chez toi, il n'avait pas la maison. Ta vie ne s'arrête pas dans ce que tu vis aujourd'hui. Des réalités actuelles ne reflètent pas ton Dieu. Des gens qui sont connectés à Dieu voient à la dimension spirituelle. Ils peuvent adorer ce que les gens ne considèrent pas. Parce qu'ils voient et ils comprennent la parole de Dieu. Que la parole de ce soir prenne vie en toi. Que la parole de ce soir, que l'espérance que nous avons appris à trois séries, je pense que ça t'a aidé de ne pas perdre espoir. Lorsque tu n'espères plus, c'est que ta foi n'agit plus. Tu ne peux pas parler seulement la foi sans pourtant espérer. Continue à espérer, même lorsque tu n'as rien vu. Un soldat sait que si je pars au combat, quelqu'un peut mourir. Mais il y a toujours des militaires. Ah, tu ne comprends pas. Un soldat sait, si je deviens militaire, au combat, un soldat doit mourir. Mais il y a toujours des recrutements. C'est-à-dire, dans la foi, quand tu t'engages avec Dieu, peu importe des formes de combat, des réalités que nous pouvons traverser, sache une chose, jamais je pourrai abandonner. Nous allons lire un dernier lecture, nous allons clôturer. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Je lis la parole.
En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Alléluia. Car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour vous, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de la parole, pour ceux qui ne sont pas Dieu, c'est comme des choses qui deviennent tordues, qui ne sans forme. Mais pour vous qui êtes sauvés, bien-aimés, sachez une chose, c'est une puissance. Que la puissance de la parole soit déposée à toi. Pourquoi je parle de la puissance de la parole? Parce que ma Bible me dit, la parole appelle en existence ce qui n'existe pas. À cause de ton espérance et à cause de ta foi, que Dieu appelle tout ce qui n'existe pas dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Car la parole, c'est une puissance. Que la puissance, la prédication, la puissance de la parole règne en toi. Nous allons courber nos têtes. Dis à Dieu, tout ce que tu as entendu par rapport à l'espérance, dis à Dieu, aide-moi. Que je ne cesse jamais d'espérer, de compter sur toi, de compter sur ton amour. Nous prions au nom de Jésus. Père, tu es le Dieu de grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Que ton amour, que ta bonté s'opère. Seigneur, nous savons que beaucoup ne pourraient pas s'accrocher à cette parole. Seigneur, nous savons que la prédication de la croix, c'est une réalité. Tu es capable de nous enlever dans la malédiction pour nous donner la vie. Que la vie entre en nous dans le nom de Jésus. Que la bonté de Dieu, que la grâce de Dieu descend, que nous espérons encore à toi, Jésus de Nazareth. Que ton amour, que ta bonté se manifeste dans notre vie. Tu es le Dieu qui agit, le Dieu qui nous soutient. Que ta grâce, que ton esprit, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à espérer, à compter sur toi, de regarder l'étoile du berger, car nous savons auprès de toi, tu es capable de changer nos vies, de changer les cours de notre vie. Seigneur, une nouvelle dimension de la foi opère dans notre vie à cause de l'espérance, car nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta bonté. Nous savons que tu es le Dieu des miracles, nous savons que tu es le Dieu qui agit. Seigneur, que ta grâce, que ta bonté, Seigneur, aide-nous, que la parole prenne vie à nous dans le nom de Jésus, afin que notre foi se réveille encore dans le nom de Jésus. Toi qui es le Dieu de grâce, ta bonté, ton amour, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus.